Oh. C'était la dernière partie des Sartois du Web, toujours en, en simultané sur Twitch, vous pouvez nous saluer, poser vos questions, interagir durant toutes les émissions, vous êtes acteur de l'émission, on salue toujours Chouquette, Arkham et Bat, ouais, des, des pseudos assez bizarres, mais on... merci d'être là en tout cas, ça fait vraiment plaisir, comme vous le savez, chaque fin d'émission c'est La Brigade du Web avec Panon et c'est maintenant On vous le dit, la Sarthe, ça bouge tout le temps, partout, partout en Sarthe, toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures. Et Manon nous le prouve une fois de plus. Salut Manon, comment tu vas Toujours très bien. Et toi ben, Ça va très très bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Il y aura de la danse, du concert, application, journée mondiale, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. On va commencer, comme d'habitude, par danser avec toi. Et eh oui, mais euh, ce coup-ci, c'est pas sur les danses latines. Je me suis renouvelée. Oui, j'ai vu petit ça. Il y a, sur il y a le répertoire. une remise en question de danse. Très voilà, bien. On va vous faire bouger, mais on va, faire, on va vous faire bouger sur du Charleston et du je ne connaissais pas. J'ai regardé à quoi ça ressemblait sur YouTube. Du jazz roots. Voilà. Donc c'est pour les débutantes Ok, d'accord. Voilà, c'est du jazz de rue, quoi. Mais voilà. c'est très sympa. Mais ça, le, le mot rend bien, c'est le marketing. Oui, voilà, c'est ça. <laughs> ça donne envie. C'est ça. Et euh, donc, c'est super sympa. Et euh, en fait, euh, l'idée, c'est qu'on qu soit débutant ou qu'on ait déjà le rythme dans la peau. Donc, c'est l'école de danse Carrie Swing, euh, Swing pardon. Swing, qui oui. Voilà, qui, qui est très connue au Mans, mais qui mmh. propose ça. Et en fait, l'idée, c'est de rentrer dans l'univers rétro du Charleston, euh, des années folles. Voilà, on revient un petit peu dans, dans le vintage et on vient s'initier, en fait, à ces. Assez de danse, voilà avec des instructeurs passionnés qui nous mmh. guident en fait à travers des pas et des mouvements de danse endiablés. Et euh, c'est plutôt sympa. Voilà. Et donc, C'est dimanche 28 avril, de 14h à 15h. C'est 10 euros le stage. Donc ça reste un prix très voilà, acceptable. Très clair, voilà totalement. Et c'est au studio Akuna, 8 rue de la Galopière, au Mans. Et bah top. On, on note ça. C'est vrai que ça, ça change. En tout cas, quand on voit les pros, c'est assez impressionnant quand, quand on voit le, le résultat. Donc donne envie de, de faire ce stage. Donc c'est le 28 avril, c'est ça, ça 14h, heures, 15h. Heures. Alors, après, on parle de quoi J'ai vu la tyrolienne. Après, on prend un peu l'air. Oh, on prend un peu l'air, très bien. On va faire la tyrolienne. Voilà, parce que c'est bien d'être en intérieur, mais je vous rappelle quand même que c'est le printemps. Logiquement. Encore. Logiquement, c'est le printemps. Voilà, logiquement, c'est le printemps. Ça. Moi, je suis partie du principe que ce week-end, il allait faire beau. Donc, il fera beau. Mais même si, même si ce n'est pas ce week-end, l'avantage, c'est que c'est en début de semaine prochaine. Là, ce que je vais vous proposer, c'est ça a lieu lundi et ça a lieu mardi. Donc comme c'est les vacances scolaires, c'est une activité qu'on peut faire en famille et je vous Totalement. propose de découvrir la tyrolienne, voilà. Et vous allez okay. me dire mais où est-ce qu'on peut faire ça Eh bien, au Mans euh, okay. et c'est place du marché des Sablons, voilà. C'est sur les bords de l'Uin tout simplement. Et donc, en fait, l'idée, c'est euh, de faire un petit peu euh, le funambule et de voir euh, la ville euh, vue du haut. Voilà, donc, il y a des artistes du cirque, en fait, qui viennent animer cet atelier et qui font euh, découvrir soit la marche sur un fil, voilà, un fil euh, tendu, <laughs> soit la tyrolienne. Hein. Et il y a même de la descente en rappel. Donc, c'est Génial. C'est plutôt, hein. ouais, plutôt, enfin, plutôt sympa. Il voilà. ouais, faut clair. pas avoir le vertige, évidemment. <laughs> Et il faut avoir un petit peu le sens de l'équilibre. Mais vous avez toujours un pro avec vous. Vous êtes solidement attaché. Tout va bien. Oui, vous êtes attaché oui c'est mieux c'est une quand même, oui, voilà, une quand même. <laughs> on prend Il y a moins de risques voilà, voilà c'est ça mais en tout cas euh, je trouve que c'est une, une, euh, une super chouette activité à faire euh, voilà avec des artistes donc c'est la compagnie Bassinga qui revient dans le quartier des Sablons bord de Lune, et qui était déjà venue en 2023 qui font un petit spectacle et après en fait ils font cette initiation à la tyrolienne donc c'est plutôt sympa okay, c'est hein. gratuit c'est à partir de 11 ans. Euh, L'atelier dure deux heures environ en fonction du monde qu'il y a, hein, parce sûr. que forcément, s'il y a que nous à passer, c'est beaucoup plus rapide. <laughs> voilà, et c'est ce lundi et ce mardi, donc j'espère qu'il fera beau pour que vous puissiez y aller. C'est à 16 heures. Donc c'est bien, c'est une activité qui change de d'habitude, donc et en plus c'est gratuit. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Donc c'est au sablon, c'est ça C'est ça, exactement. On va parler d'un concert gratuit. Oui. Oui, oui. C'est quoi exactement ce concert gratuit Donc le concert c'est Darkside. Voilà, c'est chez Shop et Compagnie Le Mans Sud, donc boulevard René Cassin. Shop et Compagnie ils sont quand même assez actifs, ils organisent quand même bah, pas en parle, mal de en, choses. T'en parle beaucoup entre ouais. les, les comédies club, la bachata par exemple, ça. et là. C'est ouais. ouais, eux concert. et le blousin qui sont très très actifs, donc c'est vrai qu'il y a toujours plein de choses à proposer chez eux. C'est clair. Et là c'est John Brownlee euh, alias Darkside, qui est de retour parce qu'il était déjà venu une première fois. Et donc il vient demain mmh. soir, le samedi 27 avril à partir de 20h30 pour un concert sur fond de rock, folk et blues donc c'est plutôt sympa voilà. C'est clair. Et pour ceux qui l'ont loupé euh, la première fois, faut savoir que c'est un chanteur, auteur, compositeur. Euh, qui est originaire de Greenock en Écosse. Voilà, donc il y a des petits sons un peu écossais. Donc honnêtement, c'est très très sympa, voilà, euh, à entendre en tout cas. Euh, évidemment, comme vous l'avez compris, il vit aujourd'hui en France, sinon il ne viendrait pas faire son <laughs> concert ici. C'est sûr, c'est logique. <laughs> voilà. Et sa musique, en fait, elle est influencée par la lutte quotidienne qu'on qu mène pour s'en sortir. Euh, voilà, au niveau de la guerre des prix, etc. Et c'est aussi influencé par toutes les inégalités sociales qu'il y a un peu partout dans le monde. Donc c'est euh, une musique assez, euh, on va dire, euh, revendicatrice. Ouais. Mais c'est très très sympa à écouter et donc c'est à 20h30 demain soir donc si vous avez un petit peu de temps devant vous et si vous avez envie de boire une bonne, une bonne mousse et eh bien écoutez c'est chez Shop et compagnie que ça se passe. Voilà, avec modération en tout cas, ouais, rock, folk et blues, bluesment d'Arcel aurait cru du métal moi quand on a parlé, oui, mais non, c'est le don rappu mais, pu... mais c'est du rock folk et blues <laughs> chez Shop et compagnie donc ce samedi 27 avril à partir de 20h30, je sais y a même des pizzas sur place. Voilà, oui, on peut, peut manger. boire avec modération et manger bien évidemment. Tu parles de l'application celle elle est assez connue mais elle est très bien, ça s'appelle Give. Oui, elle est très très sympa, donc Give, G-E-E-V, et voilà. non euh, comme le mot euh, anglais, G-I-V-E. Voilà, donc c'est une appli en fait qui est une solution de don d'objets et de nourriture entre particuliers. Mmh. Donc euh, l'avantage c'est que ben, on peut mettre des petites annonces quotidiennes pour donner et récupérer soit des objets, des meubles ou de la nourriture. Donc il y a vraiment l'idée de donner une seconde vie aux objets. Donc ça c'est plutôt chouette. Euh, voilà si par exemple on a, je dis une bêtise, euh, je ne sais pas, un vieux lave-vaisselle par exemple ou un, une vieille table basse, on peut euh, mettre une annonce en quelques secondes pour donner des, nos objets. Et on peut même, et ça c'est très sympa, signaler ce qu'on trouve abandonnés sur le trottoir ou la place publique pour que si quelqu'un souhaite y récupérer, il puisse le faire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, le deuxième gros avantage, c'est qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire, puisqu'on peut donner de la nourriture. Évidemment, oui. on ne peut pas donner n'importe quoi. Hein. On ne donne pas de la voilà. nourriture périmée, on <laughs> fait ah. attention à ce qu'on donne. <laughs> voilà, avertissement quand même. C'est pas, voilà. il, il reste un petit peu de yaourt dans mon truc, on le donne. C'est voilà, vraiment des choses qui ne sont pas déballées. Voilà, c'est de la logique, mais on le rappelle quand même. Oui, voilà, il faut quand même <laughs> le rappeler. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on peut aussi récupérer rapidement. Donc on peut, c'est-à-dire trouver des choses sur Give avant d'acheter, par exemple, si on recherche un frigo, bah, au lieu de se précipiter chez euh, voilà, des enseignes commerciales, on peut d'abord regarder sur Give si autour de chez nous, il y a un frigo fonctionnel prêt à être donné par quelqu'un. C'est plutôt sympa, voilà. Donc c'est une solution complète avec de nombreuses fonctionnalités. Donc on a une messagerie interne sécurisée, on peut faire des publications d'annonces euh, très rapides, des recherches intuitives, la géolocalisation, ça c'est top, ça permet de voir quand même ce qu'il y a autour de chez nous, parce que sinon c'est un petit peu long c'est clair voilà et puis euh, vous, vous pouvez parrainer vos amis il y a des systèmes d'alerte, un, un petit peu comme sur toutes les applis mais c'est assez sympa c'est intuitif et je trouve que c'est une bonne appli euh, voilà à connaître en tout cas ouais alors si vous utilisez le bon coin ça ressemble énormément dans la forme on va dire pour je les recherches en peut, tout cas. je crois qu'on peut plus trop donner maintenant sur le bon coin non. il n'y a plus don d'objets à, à une époque oui mais alors maintenant, ça existe toujours le don d'objet est possible encore sur, sur le bon coin mais là c'est vraiment dédié à voilà au, ça. au don et j'ai vu même avant des vacances les vacances d'été ça va permettre aussi de se débarrasser de, de nourriture non ouverte. C'est ça, oui. Pour éviter de les gaspiller, quoi. Oui, oui c'est bien. Vaut mieux ça que de jeter. Voilà, exactement. Donc, euh, noter, give, g, e, e, v. Et c'est gratuit. Et on va finir, comme toutes les semaines, par une journée mondiale. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. C'est ce qui est très important. Et oui, c'est très important. Et c'est exactement ce dimanche 28 avril, donc la journée de la sécurité et de la santé au travail. Donc il faut savoir que cette journée, elle existe depuis 1996, donc ça fait quand même un petit moment, hein, presque 20 ans, voilà. 18 ans, exactement. Français, 30, euh, 28. Qu'est-ce que je dis Ah oui je dis des Le temps passe vite aussi. Je ne sais plus compter. C'est le, temps passe très le vite. soir, euh, les maths, euh, voilà. Hein voilà. <laughs> Excusez-moi. On passe à la suite. Ouais, pas grave. <laughs> Mais en tout cas, le principal objectif de cette journée, c'est de promouvoir la culture de la sécurité et de la santé au travail. Il faut savoir quand même que le Bureau international du travail a publié un rapport qui montre que 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ah okay, Donc c'est énorme. Si on ramène à la journée, ça fait quand même 5000 personnes par jour. Ah oui. Voilà. Donc c'est là qu'on se rend compte. Euh, journalier, je pense qu'on se rend oui, mieux compte qu'à l'année. C'est clair. c'est vraiment plus énorme. Impactant. Wow. Okay. Donc, c'est énorme. Bon, voilà, ça, c'est le, le gros chiffre qui fait un petit peu mal au cœur euh, à dire. Mais effectivement, euh, c'est des, des, des accidents, principalement professionnels et des maladies professionnelles qui arrivent moins en France ou en Europe, mais qui va plus arriver dans les pays en voie de développement avec l'industrialisation, etc. L'utilisation de machines. Bon, voilà, il y a plus de mortalité. Et au niveau de tout ce qui va être accidents et maladies, on constate une augmentation continue des maladies professionnelles. Euh, chaque année, il y a quand même. 268 millions d'accidents du travail, qui sont non mortels dans le monde, donc c'est énorme, et près de 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles. Donc quand on sait ça, aller au travail c'est bien, se tuer à la tâche c'est moins bien, donc faites attention à vous. C'est clair et on voit aussi qu'aujourd'hui beaucoup de personnes veulent être bien au travail et oui. plus acharnées comme avant. Il y, a, il y a une sorte de déclic lors, lors du Covid aussi hein, en par tout rapport cas, à Chez ce... nous, oui. chez nous euh, principalement oui. On est plus axé sur le bien-être au travail que sur bon. On est aussi axé sur la productivité évidemment. Bien on a sûr. envie de faire bien son travail, mais je dirais que ça vient plus au second plan aujourd'hui. On a envie de prendre soin de nous. Ça c'est ça c'est la base. Euh, il nous reste un petit peu de temps donc on va parler un peu de ta page Instagram pour te contacter si vous voulez que Manon Parle de vous, de vos activités ou de vos événements. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on peut y trouver sur ton compte Instagram Donc, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Talents avec un S Sartois. Voilà, qui euh, en fait permet de repérer tous les, les talents Sartois. Donc, ça peut être euh, varié. Ça peut être un créateur de marque, ça peut être un créateur de bijoux, ça peut être un chanteur, ça peut être un danseur, ça peut être un photographe, un peintre. Enfin, il y a vraiment plein, plein de choses. Et euh, donc, les, les artistes, en tout cas, les talents, peuvent apparaître sur cette page. Et surtout, mmh. Ils peuvent me contacter en message privé afin de me présenter leur projet ou leur création pour et apparaître sur la page et pourquoi pas avoir une chronique dédiée sur LMTV Sartre. Voilà, vous savez tout, soit pour la chronique de Manon, pour l'émission même de toutes les autres émissions même par rapport à la rédaction. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous faites aussi partie de l'actualité et vous êtes l'actualité euh, sartoise. En tout cas, merci Manon. Tu reviens la semaine prochaine pour deux nouvelles aventures sartoises. Et quant à nous, on revient également la semaine prochaine pour plein de nouvelles choses, plein de nouvelles aventures sartoises. Merci euh, de nous suivre. Merci de votre fidélité. Passez une bonne soirée et surtout un excellent week-end uniquement sur TV SART. A bientôt.